acquiring new skills used to be very complex, but it has been simplified by four-level solutions through the Academy platform. Academy is a training tool that offers you the opportunity to take the next step towards your personal and professional goals. With Academy, you can turn any room in your house into a classroom. Academy helps you to access the latest training catalog and offerings from IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, CompTIA, VMware, and many more. Access to course materials, best practices and labs, career guide, and staying up to date with certifications. Want to know more about Academy or have training requirements? Please send an email to training@fourlevels.co.za or call 011-848-6229. With Academy, you are definitely owning your present and empowering your future. Aujourd'hui, une fois de plus, nous avions fait appel à Papa Luboya. Pourquoi Papa Luboya? Parce que Papa Luboya, c'est quelqu'un qui a travaillé dans les finances. Nous allons parler aujourd'hui des finances. Nous allons parler de l'argent, comment l'argent est en train d'être manipulé. On crie aux gens qui ont volé à travers des cartes qui ont été émises. Nous savons que Papa Luboya était dans le circuit bancaire, il connaît un peu ce qui se passe sur l'usage de chèques, l'usage, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il va un peu nous parler sur l'argent, comment est-ce que les frais d'émission étaient octroyés aux gens, et nous apporter un peu de la lumière sur cette histoire des cartes et sur cette utilisation, et même l'IGF, parce qu'il a été aussi contrôleur de finances dans les heures de début de la République. Bonjour, Papa Luboya. Bonjour. Comment ça va? Bon, on se maintient, on gère la vieillesse. On gère la vieillesse. Oui, oui. Nous sommes très contents que vous êtes encore là pour nous parler, effectivement, de ces choses qui divisent la classe politique et même la population. Il y a des gens qui crient par-ci, par-là. La première des questions que nous allons vous poser, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette gestion et de contrôle de l'argent de l'État en République démocratique du Congo? Si vous pouvez nous parler un peu de l'historique, comment vous êtes entré, pourquoi est-ce que l'IGF a été créé, et on va apprendre ça à partir de là. Dans nos contacts antérieurs, nous avons partagé sur le système qui gère le pays. J'ai toujours dit que nous devons nous débarrasser du système qui gère le pays. Parce que le système qui gère le pays n'est pas conforme aux aspirations des Congolais. Le système qui gère le pays n'est pas favorable au développement de la population. C'est un système qui a été initié, appliqué, imposé par les colonisateurs. Et ce système-là continue jusqu'à aujourd'hui. Je donnerai à titre d'exemple, lorsque Yuma avait parlé des carrés miniers qui étaient... C'est une situation qui date de 1885. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit que tant qu'on ne pourra pas se référer
à son passé, tant qu'on ne connaît pas très bien l'histoire de son passé, il est très difficile de résoudre certains problèmes que nous avons aujourd'hui. Il est vrai que les problèmes qu'on soulève aujourd'hui sont réels. Oui. Mais malheureusement, ces problèmes ne sont que les conséquences des causes. Okay. L'essentiel, c'est de chercher à connaître les causes. Les causes pour trouver la solution. La solution. Alors, quand on s'arrête simplement au niveau des conséquences, il est très difficile d'arriver à résoudre profondément le problème. Oui. La situation financière que nous connaissons aujourd'hui, son administration, oui, sa gérance, ce n'est pas l'œuvre du Congolais. Mm-hmm. Et cela depuis l'indépendance. Vous avez fait allusion à mon passage des finances comme je suis un des premiers inspecteurs des finances. Pourquoi à cette époque-là, donc 4 ans après l'indépendance, oui, ceux qui nous conseillaient pour la gestion du pays, mm-hmm, donc les blancs, les belges, oui, sont arrivés à dire que non, il faut vite mettre en place un système de contrôle financier. C'est parce que dès qu'on a vu la vague des politiciens entrer, oui, qui n'avait pas la notion de différence entre l'administration des finances, mm-hmm, et gérer les finances. Ok. L'administration des finances, ce n'est pas la même chose que gérer les finances. Gérer les finances, oui. Oui, c'est ça. Alors ils se sont dit que vite, il faut remettre en place une structure de contrôle. Oui. J'étais encore jeune, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé dans l'administration des Congolais capables, très compétents, oui, dans l'administration des finances. Mm-hmm. Les directeurs de comptabilité, les directeurs, mm-hmm, financiers, c'était Kondé Kanda qui nous avait la chose. Mm-hmm. On a trouvé des personnalités compétentes, mais qui ont été bousculées par la vague de la politique qui est entrée dans l'administration des finances. Okay. La vague de politique qui est entrée avec l'élimination de tous ceux qui appliquaient la rigueur dans la gestion des finances, mm-hmm, pour les remplacer par leurs individus. Des médiocres. Des médiocres, oui. Voilà, c'est ça. Alors, c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à s'égater. Et j'ai dit que l'instauration de ce corps d'inspecteurs, de contrôleurs de finances à l'époque, oui, n'avait pas plu aux politiciens. Mm-hmm. Ce qui fait qu'à l'époque, si vous considérez, si vous essayez d'analyser tous les corps de contrôle qui existaient dans n'importe quel service, mm-hmm, que ce soit vétérinaire, sanitaire et tout cela, tous ces corps-là n'ont jamais bénéficié d'une reconnaissance ou d'un appui d'un gouvernement quelconque depuis l'indépendance. Et cela est dû à quoi alors? La mentalité, je ne veux pas dire, c'est-à-dire que l'ignorance, mmh, et l'aliénation de comment gérer la chose publique, mmh, était à la base de la classe politique qui venait maintenant prendre la place des blancs. Mmh. Tu vois. Alors cette classe a pu instaurer dans l'administration publique une mentalité, des pratiques qui ne peuvent pas concourir au développement du pays. Voilà les causes profondes de ce que nous vivons aujourd'hui. Dénoncer tel que nous sommes en train de dénoncer, je dis oui, c'est vrai, vous pouvez dénoncer, mais si vous ne comprenez pas d'où nous venons et comment les choses étaient pratiquées, vous ne pouvez pas. Mais la question de savoir est-ce que l'IGF actuellement peut corriger cette historique dont vous parlez pour que le Congolais finalement puisse se retrouver avec une gestion originale ou bien propre aux Congolais. L'IGF peut corriger ça. Et peut corriger ça comment? Ça, c'est mon point de vue, bien entendu. L'IGF peut simplement se poser la question, comment enrayer cette façon de gérer, oui, les choses? La question est très simple. Il faut connaître comment les mécanismes de détournement fonctionne. Oui. Si vous ne connaissez pas comment les mécanismes de détournement fonctionnent et vous vous attaquez aux individus, vous n'aurez pas supprimé les mécanismes. Exactement.
Alors, ce mécanisme-là fonctionne comment? Alors, il faut maintenant s'intéresser à faire des investigations au niveau de tous les circuits par où la passe l'argent. Poser la question à ceux qui gèrent l'argent. Je prends par exemple un comptable. Oui. Toi, explique-nous un peu. Tu reçois tel montant mensuellement. Ce montant correspond aux besoins que ton service a présenté. Oui. Mais comment expliquer que le service présenté n'arrive pas à être complètement accompli parce qu'il manque l'argent alors que toi tu as reçu l'argent? Explique-nous un peu ce mécanisme. Oui. Le comptable peut vous le dire. Nous, on a commencé par là, on a commencé par demander le comptable. Le comptable qui nous disait qu'il faut demander aux ordonnateurs. Oui. Parce qu'il y a des ordonnateurs. Et il y a des ordonnateurs, oui. Et le comptable est obligé d'exécuter les ordres qui viennent de l'ordonnateur. Oui. Mais vous, l'ordonnateur, comment vous arrivez à déplacer un montant qui était prévu pour tel service, vous l'affectez à tel autre service? C'est ça qu'on appelle détournement. C'est détournement parce que nous, quand on nous a formés, lorsque un ordonnateur déplace le montant qui était prévu pour tel service, il affecte à un autre service. C'est un détournement. Exactement. Mais qui sont ces ordonnateurs, papa? Bon, pour l'instant, qui peut être considéré comme ordonnateur? Qui donne le premier grand... Est-ce le gouvernement? Le premier grand ordonnateur, c'est le ministre des Finances. Des Finances, oui. Le ministre des Finances, en dessous de lui, et au niveau des divers services qui existent, que ce soit dans les services publics et tout cela, il y a des ordonnateurs. Ces ordonnateurs qui sont dit, ce sont les responsables, donc les directeurs de ces services-là. Les directeurs de services, ils connaissent ce qui se passe dans son service. Dans son service. Et c'est lui qui ordonne au comptable qui te casse de l'argent pour faire tel. Voyez-vous. Donc, il y a toute une structure là qui existe. Mais c'est au travers de ces structures-là qu'il faut mener les investigations pour pouvoir dénicher quelles sont les causes profondes qui expliquent ça. Évidemment, il faut aller plus loin pour comprendre que avant, le Congolais ne connaissait pas les détournements. Comment le détournement est entré? Mais il est entré avec la colonisation. Et comment la colonisation a pu faire entrer le détournement, l'esprit de détournement dans l'esprit des Congolais qui, eux, n'avaient pas cet esprit-là. Mais on se rappelle bien que, à l'accession du pays à l'indépendance, la Belgique a dû voter tout un budget destiné spécialement à corrompre les politiciens congolais. Est-ce que quand ce budget-là sont votés, oui, ils sont inclus dans le budget d'ensemble de l'État au niveau de la Belgique, ce budget-là qui a été voté, ça n'a pas été voté dans l'Assemblée nationale qui est reconnue avec le budget. C'est un budget que le gouvernement, oui, avec les multinationales qui opéraient au Congo, okay, ont convenu pour constituer une caisse qui devait servir à corrompre les politiciens congolais. Ah, parce que c'est cette caisse-là que nous avions parlé, la caisse noire, les caisses noires, la caisse qui sont au niveau de la présidence jusqu'au gouverneur. Voilà. C'est ça. Alors, ce sont ces multinationales qui étaient dans les mines, qui étaient dans l'agriculture, qui avaient peur de l'indépendance du pays et qui se sont dit, mais comment nous maintenir? Ils ont imaginé des systèmes. Et c'est ainsi qu'ils ont créé cette caisse-là, qui n'a pas été votée par l'Assemblée belge. Ok. Mais que le gouvernement belge reconnaissait et gérait ensemble avec ses militaires nationales.